père dans 2 jours à 22 ans. C'est dur. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Rappelle-toi, il y a 4 ans. J'aurais bien aimé que quelqu'un en fasse autant pour moi. C'est toi qui t'es occupée de moi? Oui. Moi cachée. Je ne te donnerai plus ni somnifère ni calmant. Quand tu auras vraiment envie de guérir, demande-moi et je t'aiderai. La seule qui souffre, c'est toi. Le problème, il est en toi. Si tu crois que je sais pas, aide-moi. Alors fais ce que je te dis, sans poser de questions, même si tu comprends pas à quoi ça sert. Je veux que chaque geste quotidien devienne une habitude. Au début, j'ai eu réellement peur. Je sentais pas son pouls. Elle avait les bras et les jambes écartés. Et les membres complètement raides. Dis-moi ce qui t'est arrivé. J'ai commencé par voir des lumières, des sortes d'apparitions, par entendre des sons étranges. Une fois, je me suis sentie transportée ailleurs et je me suis retrouvée unie. J'avais l'impression de fondre, que mon corps n'existait plus. Au réveil, il me devient pénible de vivre. En attendant, évite de raconter ça. Il pourrait y avoir des tas d'ennuis. Je regarde, il n'y a rien là. Je vous jure, j'essayais. Regardez, il y a du sang partout même. Mais enfin, vous savez bien que ça n'existe pas, les miracles. Tu pars pour longtemps? Très longtemps. Pas pour toujours quand même.